Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Alex, j'espère que vous avez la forme. Moi écoutez, ça va super. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo sur Forza Horizon 5. Aujourd'hui vidéo du week-end et vidéo du dimanche. Et ça veut dire une vidéo pour avoir des crédits vraiment très facilement. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et écoutez, on est parti pour la technique. Vous cherchez un compte Forza, GTA 5 ou Cold War modé, n'hésitez vraiment pas à aller sur creditkings.com. Vous trouverez les comptes les moins chers du marché, également défiant toute concurrence. Donc vous aurez tout ce que vous voulez par rapport à ces comptes modés. Vous aurez du coup la possibilité de choisir quel type de compte vous choisissez et vous voulez également la plateforme. Voilà, quelques photos pour vous illustrer tout ce qu'il y a dans ces comptes-là. C'est vraiment de la top qualité. Le service après-vente est très très bon, très réactif. Il n'y a eu aucun souci sur beaucoup de commandes que j'ai pu faire déjà auparavant. Donc n'hésitez surtout pas vraiment. C'est un super site que je peux que vous recommander. Et pensez bien également à mettre le petit code promotion Alexis qui vous permettra d'avoir du coup 10% sur votre commande totale. C'est vraiment pas négligeable. Allez, pour la première technique, il va falloir acheter la M3 de 2008 du coup de chez BMW qu'on peut acheter pour seulement 48 000 crédits. C'est vraiment rien et on va pouvoir vraiment la revendre beaucoup plus cher. Vous allez voir ça au niveau des ventes. Là, on peut la mettre autour de 200 000 jusqu'à 900 000 crédits. Alors ça peut être une technique qui fonctionne en achat-revente comme ça. Honnêtement, je pense que ça peut marcher. Mais c'est surtout un très bon moyen pour pouvoir transférer des crédits d'un compte à un autre, par exemple à un pote également, à votre compte secondaire. C'est un excellent moyen, vous l'achetez 50 000, vous la revendez 900 000, vous avez plus ensuite qu'à l'acheter en achat immédiat avec votre autre compte ou votre pote pour pouvoir vous donner des crédits. C'est un super moyen de faire ce genre de choses. C'est comme ça que je vais faire mes giveaways d'ailleurs de crédits à l'avenir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Au niveau du prochain véhicule, ça va être également la Mustang RTR qu'on peut acheter pour 105 000 crédits. C'est vraiment pas grand chose encore une fois. Il y aura un petit peu moins de marge pour le coup. Si on peut la vendre seulement qu'à 282 000, mais celle-ci marche beaucoup mieux. On peut vraiment la vendre et faire des crédits. J'en ai vendu une en à peine une demi-heure, donc genre 10 minutes après que je vous montre ça. J'ai réussi à la vendre, je vous mettrai d'ailleurs un screen je pense directement au niveau de la vidéo. Mais franchement ça marche vraiment super bien pour le coup. Donc cette technique là de la Ford Mustang, ça marche vraiment pour faire des crédits. Et la M3 c'est plutôt pour faire du transfert de crédit. Même si ça peut parfois vous permettre de faire un petit peu des petits bénéfices. Si elle part pour 200 000 par exemple, par erreur d'une personne qui l'aurait pas vu en vente, ça peut être... Là vous pouvez voir que j'ai mis pas mal de voitures en vente d'ailleurs, pas mal de voitures que j'ai récupérées grâce aux dernières sélections du festival, que j'avais des voitures en double. Voilà, la GT40 MK2 qui est déjà partie pour 1,6 million, j'ai une California T que j'ai payé 3 millions et qui peut être mise en vente autour des 15-20 millions, on verra comment est-ce qu'elle part. Et puis la petite GT également de chez Jaguar qui est partie, la Ghera RS, petite McLaren, E63 SAMG, la SSK, la Nissan, bref voilà énormément de voitures. Et également la Porsche 911 GT3 RS qui est partie pour 2 millions en achat immédiat, vraiment à peine 5 secondes après que je l'ai mise. Donc là vraiment je vais faire un gros bénéfice sur tous ces véhicules que j'avais en double, en triple et ça c'est vraiment super. On enchaîne directement avec un prochain véhicule qu'on va pouvoir farmer, ça va être la 911 GT2 de chez Porsche 1995. Très très bonne voiture qu'on peut acheter à 550 000 crédits. Attention, c'est pas à la portée de tout le monde, ça coûte quand même un demi-million de crédits. C'est vraiment pas négligeable, mais vous allez voir qu'on peut vraiment faire un truc super intéressant avec cette voiture-ci. C'est que quand on va du coup dans les réglages et les améliorations, maîtrise de voiture, vous allez voir qu'on peut récupérer 5000 XP, 10 points Forza, une petite wheel spin. Mais surtout là-haut, c'est ce qui va nous intéresser, c'est la Porsche 911 Turbo Unigan de 1991. Et pourquoi est-ce qu'elle est aussi assez intéressante? Regardez-moi ça, la Porsche Unigan, elle ressemble à ça, mais c'est surtout qu'en termes de vente, on va pouvoir la vendre facilement jusqu'à 1 million et elle partira obligatoirement autour de 600 000, 700 000, voire peut-être un petit peu plus selon les cas, selon les jours, selon les personnes qui recherchent la voiture, mais c'est vraiment un super moyen de la trouver. Vous pouvez voir maintenant même un exemple à l'écran, voilà qu'il y a des personnes qui enchérissent à 11 minutes de la fin jusqu'à 600 000 crédits en enchère, donc ça va encore monter. En fonction du temps qui va diminuer forcément. Là il y a des enchères à 2 heures encore avant la fin de l'avance.
Et là, même 600 000, regardez-moi ça, 3 heures avant la fin de la vente, 600 000 encore, là pareil, 600 000. Donc vous serez forcément toujours bénéficiaire sur ce véhicule qui est vraiment un super moyen de farmer. En plus de récupérer de l'XP, une wheel spin, des crédits. La seule chose que ça va vous coûter, c'est 500 000 d'investissement, mais vous serez remboursé de toute façon. Et également un petit peu de points de prouesse. Le dernier véhicule que je vais vous conseiller de farmer actuellement, ça va être la Jeep Wrangler Rubicon, un petit peu rouge comme ça, très sympa, qui vaut pas extrêmement cher. En plus de ça, on est aux alentours de 50 000 crédits, donc c'est vraiment pour toutes les portées. Je vous conseille vraiment ce véhicule, il est juste incroyable. Quand on va aller du coup dans la maîtrise de voiture, on va avoir 5000 XP, quelques points Forza si ça peut vous intéresser, mais surtout le petit cadeau là-haut avec la petite Wrangler Unlimited départie de 2018, qui est un super véhicule pour farmer les super wheel spin, les crédits, l'XP, vraiment tout en fait. C'est vraiment un véhicule ultra polyvalent, c'est selon moi le meilleur véhicule à farmer. Regardez-moi ça, 8000 XP que vous pouvez récupérer, 10 points, 50 000 crédits en plus de ça, comme ça vous êtes 100% remboursé par rapport à votre achat, et la super wheel spin. Donc c'est vraiment incroyable. La seule chose que ça va vous coûter effectivement, ça va être 50 points de prouesse, mais c'est farmable quand même assez facilement, donc c'est incroyable. Et du coup, moi, je vais pouvoir vous laisser là-dessus. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, pour ça également à vous abonner, à mettre la petite cloche, etc., etc. Mon Insta, mon Discord, tout est dans la description. N'hésitez pas à les rejoindre également. On est plus de 250 membres sur Discord, quasiment une centaine sur Insta. Sur Discord, vous aurez vraiment plein d'infos en priorité. L'actu sur Forza, par tous les membres, de l'aide des membres de la communauté. Des astuces, les vidéos en avant-première, l'annonce des lives, bref, vous aurez vraiment plein d'infos. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment incroyable. Et puis voilà, je vais pouvoir écoutez, vous laisser farmer avec ces super techniques, notamment celle de la petite Ford Mustang RTR, et surtout la Jeep Wrangler qui est vraiment excellente. La Porsche Unigan est vraiment intéressante également, mais ça va être plutôt pour les gros budgets, mais ça reste également très intéressant. Je vais pouvoir du coup vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. C'était Alex, ciao ciao, prenez soin de vous, à la prochaine.